à La Rochelle sont Jessica, déterminée et passionnée. Cédrine, dynamisme et bonne humeur. Astrid, ténacité et sens de l'écoute. Il y a deux semaines, les trois chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 37 ans et je suis directrice marketing. Bonjour, moi c'est Arthur, j'ai 32 ans et je suis entrepreneur. Suivez-nous. Actuellement, ils vivent dans cette maison de 195 mètres carrés à Étré, dont ils sont locataires. Nous sommes arrivés à La Rochelle depuis un an. Opportunité professionnelle de mon côté et vrai coup de cœur pour la région. Un an, c'est récent. Et avant ? On était à Paris et c'est vrai que on a pris goût au rythme de vie ici, avoir un jardin. C'est vrai qu'à présent, maintenant, on n'a plus qu'à ouvrir les baies vitrées, les enfants jouent dans le jardin, on est tranquille et c'est sympa. Non. Ouf. On n'est pas tranquille. Mais c'est plus simple. Ah oui, car le couple a deux enfants, César 18 mois et Victoire 4 ans. Et leur changement de vie n'est pas fini. On a en effet deux projets cette année. Le premier, se marier au mois de septembre. Et le deuxième, acheter une maison à La Rochelle parce qu'on s'y sent bien et c'est vraiment une région où on a eu un beau coup de cœur. Ils adorent leur maison actuelle, mais elle n'est pas à vendre. Alors ils cherchent la leur. On cherche une maison de caractère de 200 mètres carrés. Type loft ou ancienne bâtisse rénovée, avec 4 chambres, 5 seraient un plus. Parce qu'ils ont quitté Paris, mais pas leurs amis, alors autant pouvoir les recevoir. Quoi d'autre ? Une grande pièce de vie. Lumineuse, très important. Avec une cuisine ouverte ou ouvrable. C'est quand même assez sympa, cette maison, avec cette cuisine ouverte. On peut quand même discuter tranquillement. Sans avoir à hurler d'une pièce à l'autre. Donc ça, c'est pour l'intérieur et en extérieur. Très important, on cherche un grand jardin, 400 mètres carrés minimum, piscinable ou avec piscine. Il faut également que la maison soit proche de La Rochelle pour la tournée de l'école que gère Arthur, qui lui prend aujourd'hui plus d'une heure le matin. Et donc, il faut que ce soit où pour être plus proche des écoles ? On cherche dans La Rochelle ou Première Couronne et Angoulin. Notre budget est de 560 000 euros. Les agents, c'est pas pour vous mettre la pression, mais une belle maison lumineuse, ça serait un beau cadeau de mariage. La Rochelle, quand on y goûte, on y reste. Cette famille a des critères assez précis et au niveau du secteur, il faut être à côté des écoles. Ça va pas être simple, mais j'y crois. Chasseurs d'appart à La Rochelle, jour 3. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve d'Aurélie et Arthur. Une réalité immobilière. Nos trois agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. On regarde. Ah, l'atmosphère unique de La Rochelle. Ses habitants, tout comme les voyageurs de passage, ne cessent d'en parler. Mais La Rochelle, c'est surtout cette lumière chaleureuse qui se reflète sur la pierre blanche des bâtisses du centre aux arcades. Et c'est dans ce décor exceptionnel que la compétition de chasseurs d'appart a lieu cette semaine. Et pour commencer cette nouvelle journée, c'est Astrid qui est chargée d'emmener le couple en visite. À 37 ans, Astrid vit une vie nouvelle, une vie d'agent immobilier épanoui. Salut mon jus, ça va ? Salut toi ? Oui. Alors je fais ce métier depuis un peu plus d'un an. J'avais toujours voulu le faire sans oser sauter le pas. Et puis on m'a proposé, donc je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais. Anciennement responsable d'une boutique de prêt-à-porter et assistante d'éducation dans un collège, Astrid a pu enfin faire le métier de ses rêves grâce à une jolie rencontre. Mathieu, mon patron actuel, à qui nous avons acheté notre maison sur la Gore à côté de La Rochelle, m'a proposé de le rejoindre, donc j'ai accepté, bien entendu. Et quand on a changé 19 fois de maison dans son enfance, comme Astrid, finalement l'immobilier, c'est facile. Les déménagements, ça me connaît. Toute ma vie avec mes parents, on a beaucoup déménagé. J'ai fait beaucoup de visites avec maman. C'était quelque chose depuis toute petite qui me plaisait énormément. Cette expérience particulière lui a permis d'affiner sa technique de vente qui passe avant tout par l'humain. Astrid met un point d'honneur à rassurer ses clients. On peut se rencontrer ? On peut aller la voir ? Eh bien, écoute, c'est parfait.
Alors pour moi, l'agent idéal, c'est un agent qui va instaurer la confiance. C'est pour moi très très important parce que les gens nous font rentrer chez eux dans leur intimité. Donc j'essaye d'être comme j'aimerais qu'on soit si on venait chez moi. Alors pendant 2 semaines, Astrid a donné le meilleur d'elle-même pour trouver le bien idéal d'Aurélie et Arthur. Astrid, je vais me rentrer à Amiens. Tu peux regarder un petit peu? Ah, c'est pas mal ça. Mais oui, mais tu sais, ça m'intéresse pour Arthur et Aurélie, ça serait top. Je suis plutôt confiante. C'est vrai que c'est un bien que j'affectionne particulièrement. Même s'il y a l'orage aujourd'hui, je vais leur faire apparaître le soleil dans leurs yeux. Avec sa maison de bourg de 158 mètres carrés à Lagor, Astrid compte bien émerveiller et étonner le couple. Moi, j'adore. Super sympa. Ça vous plaît? Ah oui, oui, clairement. Très bien, parfait, canon. Ça, c'est mon coup de cœur. Alors Astrid a-t-elle eu un éclair de génie en présentant ce bien à Aurélie et Arthur pour leur changement de vie? Elle a tapé juste alors que c'était pas forcément dans les critères. Donc bravo. Je prends les compliments, je prends. Cette maison sera-t-elle le coup de cœur de cette journée de visite? Réponse tout de suite. Bonjour Aurélie. Bonjour Arthur. Je vous accompagne. Super. Allez, c'est parti. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Alors que le couple est en route avec Astrid, les deux autres agents, Cédrine et Jessica, sont déjà installés à quelques mètres de la maison pour suivre et commenter toute la visite. Ça y est, nous sommes arrivés sur la commune de Lagor. Oui, très bien. Aurélie, tu travailles sur Périgny. Oui. Donc là, tu es à moins de 13 minutes en voiture. Très bien. Alors Lagor, c'est complètement dans nos critères. Proche de tout et charmant petit ville, village. En résumé, comme on dit dans la région... Lagor, j'adore. Concernant l'école de Victoire, ouais. Parce que je sais que c'était important pour vous, vous vouliez être à moins de 15 minutes en voiture. Là, nous sommes à moins de 10 minutes. Donc, c'est quand même intéressant. Oui. Dis donc, ça commence bien pour Astrid, là. Et tu entends? C'est super calme. Concernant la maison que je vais vous faire visiter aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle est belle, cette maison. Elle a le charme d'une maison en pierre de taille. Il n'y a aucun frais à prévoir pour la façade. Ça, c'est bon signe. Très belle Alors, façade. Aurélie, ça te plaît également? Un petit coup de cœur pour la façade. On aime c'est bien vrai maison de bourg comme ça, beaucoup de charme. Oh, bah écoutez, super. Alors, je vous propose d'aller la visiter dans ces cas-là. Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. On espère qu'Astrid va nous permettre de concrétiser ce changement de vie. Et pour l'instant, elle est plutôt bien partie. Allons vérifier ça. Allez-y, suivez-moi. Je vais vous demander de monter directement, s'il vous plaît. Jouez le jeu, vous ne regardez pas. Voilà. Ma stratégie aujourd'hui, c'est d'y aller crescendo. Donc, c'est pour ça que je commence par leur montrer l'étage. Je vais te laisser découvrir cette première pièce. Une première chambre de 17 mètres carrés, la plus grande de la maison. Beau parquet au sol. Ah ça, oui, ça, ils ont vraiment authentique et c'est pas. Tout à fait, ils ont exploité du parquet flottant. Au mieux ouais. Les matériaux de la maison. Ouais. Ouais. Petit waouh, hein, dès la rentrée dans la maison. Ouais. Définitivement, l'intérieur à la hauteur de l'extérieur. Ce parquet est superbe et vous avez vu la porte? Elle a un cachet de fou. Oh, j'adore. Juste peut-être la décaper un petit peu et c'est parfait. Avec une petite surprise. Le dressing. Attention. 2,5 mètres de dressing avec un détail bien pratique pour les parties de cache-cache de César et Victoire, leurs enfants. Et ça s'allume. Et ça s'allume. Ça. Et ça s'éteint tout seul. Donc, vous voyez, vous avez quand même de la profondeur. De chaque côté. Je te propose de prendre l'étagère du haut. Ils se sont appropriés cette chambre. Ils aiment vraiment. Et une chambre parentale de trouver. Reste à découvrir celle des enfants. Arthur, je t'en prie. Ah.
une chambre de 13 mètres carrés, toujours avec des matières brutes. Il y a déjà le berceau. Je vois qu'il y a une cheminée. Elle est exploitable. Il y a tout à fait possibilité. On voit les conduits. En revanche, peut-être faire attention pour les enfants. Oui, voilà. Donc, ça dépend où est-ce qu'on posait ça, en effet, la chambre. En revanche, ça reste quand même un très bel élément de décoration. Bien sûr. On continue. Allez. Très bien. Astrid poursuit la visite avec deux autres chambres de 13 mètres carrés chacune, ce qui nous fait 4 chambres, et elles aussi avec des cheminées décoratives. Super sympa. Et en plus, pierre apparente au mur. Superbe. Ça, c'est vrai que ça tenait à cœur aux propriétaires, en fait, d'exploiter tous les matériaux. Bon, finalement, ils sont séduits par la pierre apparente, par le cachet de l'ancien. Alors qu'à la base, ils cherchaient un loft. Exactement. Donc, comme quoi, il faut savoir prendre des risques avec les clients. Elle a tapé juste alors que c'était pas forcément dans les critères. Donc, bravo. Mais vous m'en voyez ravie. Eh bien, écoutez, je vous laisse ressortir, partir sur votre gauche. Et je vais te laisser découvrir cette dernière pièce. Une salle de bain de 8 mètres carrés. Et douche, c'est le choix du roi. Mais moi, ce que j'aime, double bain. Ça vous plaît? Ah oui, clairement. Oh, bah, écoutez, je me sens très bien, comme un poisson dans l'eau. Ils aiment tout, donc je m'en prive pas. Je prends les compliments, je prends. Allez, c'est reparti. Et ça devrait continuer en ce sens, car Astrid l'a promis, le meilleur reste à venir. Un salon de 15 mètres carrés avec de la pierre partout, sur le sol et toujours sur les murs. Très beau. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais. Je suis contente, ça vous plaît. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas, en effet, dans la décoration, c'est vrai que nous, on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne. Mais avec ce contraste, très même des pierres apparentes, tout ça, on peut. Bah après, ça peut jouer sur la décoration ou même sur des couleurs. Alors là, ils sont séduits par les pierres apparentes. Par les pierres apparentes. Merci. Et c'est vrai qu'avec une maison comme ça, tu peux facilement te projeter aussi avec du classique qu'avec du contemporain. Oui, parce qu'on est sur du neutre. Ouais. Ouais. Parfait. Non, c'est très beau. Aurélie a raison, dans une pièce comme celle-là, avec autant de vieux matériaux, c'est sympa de créer un contraste avec du moderne. Ça, j'approuve. Et vous arrivez sur la partie salle à manger. Un espace de 21 mètres carrés parcouru par une grande baie vitrée. Imaginer une belle table, même recevoir des amis ou tout, avec les enfants. Oh, voilà, mais moi j'essaie de projeter par rapport aussi à notre table à manger qui est assez quand même. Qui est très bien ici. Donc là on est sur 21 mètres carrés. C'est top. Très bien, parfait, canon. En même temps, elle est super hein, cette maison. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Moi j'adore. De toute façon, c'est mon coup de cœur. Bon bah écoutez, bah, c'est parfait, on n'a plus qu'à continuer alors. Voilà. J'espère que tout va être top jusqu'au bout. Cette cuisine de 15 mètres carrés est toute équipée et refaite à neuf. On est sur du carrelage. Non, c'est pas sympa. Donc facile d'entretien. Ce carrelage imitation bois a plein d'avantages. Il se nettoie facilement, il est très résistant à l'usure et aux rayures, et il ne craint pas la chaleur. Et il est écolo. En revanche, la nuit dernière, j'ai pété mon talon dessus. Et alors petite question, c'est la table de cuisson, c'est la hotte. C'est la hotte. Il est plutôt déconseillé de cuire ses pâtes sur un plan incliné vers le bas. Gare à la cata. Comme quoi, je ne suis pas souvent dans la cuisine. C'est pas grave. Ça va te poursuivre. On va déjà poursuivre la visite. Astrid a encore un espace à dévoiler. Ah oui, toujours. Allez, hop. Et là, nous allons découvrir l'extérieur. C'est ma grosse crainte. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Une terrasse avec un jardin qui mène à un cabanon de stockage tout à fait transformable en fort pour leurs enfants, César et Victoire. Il y a beaucoup de cachets,
charme, c'est lumineux, pas de vis-à-vis. Ouais. Voilà. Vraiment super sympa. Là, il y a combien en surface? On est sur une parcelle de 232 mètres carrés. C'est quoi une parcelle, Jessica? C'est la maison. Mm-hmm. Plus le jardin. Voilà. Donc au niveau du jardin, on doit avoir un petit 100 mètres carrés seulement. Pour eux, qui voulaient 400 mètres carrés. Comme quoi, le coup de cœur, ça rend aveugle. Il est vrai que je n'ai pas de piscine. Il n'y a pas de piscine. Ouais. Moi, ce n'était pas forcément notre priorité. Ouais. Après, c'est toujours bien de pouvoir l'envisager. Je comprends. Le jour où, mais... Mais on pourrait, pourquoi pas, imaginer un spa dans le fond du jardin ou dans la dépendance. Soulagement, ma pire crainte. Non, tout va bien, même le jardin, ils aiment. Espérons qu'Astrid voit juste, car voici le couple qui s'isole pour échanger. Le jardin confirme-t-il le coup de cœur que le couple semble avoir pour la maison? Bon, alors c'est vrai que c'est plus petit en termes de jardin que ce qu'on cherchait. Ouais. Maintenant, il est plutôt très sympa. Et on a la place de mettre un barbecue, une plancha, donc... Alors le prix de cette maison finira-t-il de convaincre le couple que leur future vie de mariée sera ici? Vous avez un budget de 560 000 euros et je vous propose cette maison au prix de... 569 000 euros. D'accord. Le prix est 9 000 euros au-dessus du budget, ça c'est moyen, mais en revanche la superficie est en dessous de ce qu'ils ont demandé, ça c'est pas bien non plus. On espère qu'Astrid sera capable de négocier pour faire rentrer ce bien dans notre budget. Et nous faire un beau cadeau de mariage. Je vous propose que l'on se retrouve tout à l'heure. Très bien, super. Très bien. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais avant, le couple va rejoindre Cédrine qui va les emmener en visite. Cédrine, c'est l'agent aux mille vies. Elle a été acheteuse, puis animatrice de sport et l'immobilier est une découverte récente. Ça fait un an que je me suis lancée et j'adore parce que je rencontre plein de gens différents, je rentre dans de très beaux biens et ça c'est vraiment vraiment satisfaisant. C'est en discutant avec l'agent qui lui a vendu sa maison à La Rochelle qu'elle a eu envie de se lancer et elle a toutes les qualités pour. Je suis professionnelle, dynamique et déterminée. La détermination fait partie du métier d'agent immobilier pour aller chercher des clients, mais aussi les biens d'exception. Moi, j'aime aller dans la rue, j'aime aller à la rencontre des gens. Salut Jean-Paul. Bonjour. Ça va? Bonjour Cédrine. Ça va? Ça va bien, oui. Parce que du coup, je découvre des biens qui ne sont pas encore sur le marché et j'obtiens des exclusivités. Dis-moi, t'aurais pas entendu d'une maison qui se vendrait dans le quartier? On devrait pouvoir trouver. Bon, bah écoute, super. Cédrine travaille à domicile et en indépendant, mais pas question pour elle de la jouer perso, seule dans son coin. Parfois, de travailler de chez soi, on est un peu isolé. Donc, on se crée des petits groupes, des groupes de travail, on partage nos affaires et on travaille ensemble sur certains dossiers. Tu m'as dit que tu avais des acquéreurs hein, qui recherchaient ce type-là. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là, au vu de l'affiche, de ce que je t'en ai déjà dit? Oui, ici, ça correspond à ce qu'ils cherchent. Et puis, en plus, on est pas mal. Et il est placé dans le centre. Oui, ouais, hyper centre. D'accord. On leur propose? Oui, on leur propose. Il faut adopter une stratégie différente suivant chaque client. Ça... Enfin, moi, en tout cas, je suis obligée de le faire parce que tout le monde n'attend pas les mêmes choses. Donc, les visites sont tout le temps différentes, même si c'est sur la même maison. C'est tout le temps différent. Et pendant 2 semaines, Cédrine s'est démenée pour trouver le bien idéal au client du jour. Arthur et Aurélie, je croise les doigts pour que ce bien vous plaise. Il est super sympa, ce bien. Elle est très belle. Je pense que c'est vraiment le bon cadeau de mariage à leur faire. Le cadeau de mariage que leur fait Cédrine est une maison rénovée de 200 mètres carrés au cœur de Dompierre-sur-Mer qui devrait les mettre en joie. Bah, de l'extérieur, elle est sympa. Alors le contenu du cadeau plaira-t-il autant que l'emballage? Très sympa, ouais. Moi aussi, j'adore. Et cette maison entrera-t-elle dans le budget du couple? Bonjour. 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 Aurélie. Enchantée. Cédrine. Arthur, enchanté. Enchanté. Donc, je vous ai amené à Dompierre-sur-Mer. Dompierre. Dompierre. Ouais. Voilà. Oh là là, Dompierre, on n'est pas trop dans le secteur, là. Oh bah quand même, on est à 10 minutes. Hein. Vous êtes à 5 minutes de Périgny, là où tu travailles, ouais. Aurélie, et puis à moins d'un quart d'heure de l'école de Victoire. Quand il n'y a pas de bouchon. Quand il n'y a pas de bouchon, voilà. Clairement, c'est une déception. Maintenant, on attend de voir et être surpris par rapport à la maison. Vous allez oublier le secteur, parce que la maison, elle est top. Alors, il s'agit
de celle-ci. Jolie maison de bourg, j'ai un peu peur pour la taille du jardin. Je vous rappelle, ils veulent au moins 400 mètres carrés et piscinable en plus. Bah, de l'extérieur, elle est sympa. Ah, moi j'adore la façade là. Oh, j'ai faim. Ah, mais moi aussi, je kiffe carrément là. Ah, vraiment une maison de bourg. Après, on ne vous cache pas que pour l'instant, on est en train de s'habituer de ce, au fait qu'on est à Dompierre. On est un petit peu dubitatif pour l'instant, on attend de découvrir la maison. On a toujours dit qu'on pouvait se laisser tenter par des coups de cœur, donc on va voir. Mais oui, si Cédrine les a emmenés ici, c'est qu'elle leur réserve des surprises. Entrez, je vous en prie. Un premier espace de 32 mètres carrés avec un placard sur tout le mur d'entrée. Dans un salon d'accueil, d'accord. ou bien une salle de musique. Ah, ça Alors par contre avec les enfants, ça va être très dangereux. Ah bah, ne jamais leur montrer. Non, terminé. Ah, sympa. Très sympa. La superficie est belle, le sol en pierre de travertin est magnifique. Et pour info, le travertin est la pierre dont on s'est le plus servi pour les plus beaux édifices de Rome. Pas con le mec, hein? C'est un beau salon d'accueil. Waouh! Ah oui, c'est sympa. Lumineux, c'est spacieux. Oh, j'ai hâte de voir la suite. Hein. La suite doit être pas mal. Ouais. Vous me suivez? Ouais. La cuisine. Ah. Il s'agit d'une cuisine semi-ouverte équipée de 20 mètres carrés avec un îlot central pour pouvoir y cuisiner ou y installer les enfants. Très sympa cette cuisine. Ouais. Pratique. Oui. Elle a été refaite en 2016. D'ailleurs, toute la maison a été refaite récemment là. Ouais. Exactement. Ah, la cuisine. Oh. Ah oui. Moi j'adore. C'est moderne. Je crois que ça leur plaît là. Hein. Ah oui. Mmh. Pas mal hein? Ouais, ça c'est très sympa. Eh bien, on va continuer du coup, hein? Alors, allons voir le salon, c'est ça? Bien tenté, mais non, il s'agit de la salle à manger de 20 mètres carrés qui communique donc avec la cuisine. Très bien. Avec une belle hauteur de plafond, avec un esprit loft, comme vous aimez. J'adore cette pièce. Il faut savoir que les grandes hauteurs sous plafond nécessitent des pièces de grande dimension. Sinon, les proportions ne sont pas toujours harmonieuses. C'est une maison avec du cachet qui a été réaménagée de façon moderne, avec des beaux matériaux. C'est quelque chose qui nous plaît. Très sympa, ouais. Moi aussi, j'adore. Là, je me sens bien. Ils aiment. Ils apprécient. Mais ça n'empêche pas de toujours manquer de quelque chose. Mais où est le salon? Oui. On y va? On y va. Allez. On y va. En haut de cet escalier Esprit Loft, un salon mezzanine de 31 mètres carrés avec une vue plongeante sur la salle à manger et la baie vitrée. C'est l'originalité, en fait, de la maison. Hein, c'est vraiment un salon très intimiste. Moi, je l'intitule un petit peu salon des adultes. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et puis en bas, dans... mon salon d'accueil ou le pré-salon. L'espace enfant. Superbe. Je sais pas ce que t'en penses, Jessica, mais moi j'adore. Hein. Moi c'est tout ce que j'aime. C'est lumineux. Et pas de vis-à-vis a priori. Non. Yes. Encore un point. On va continuer la visite hein, par l'espace nuit. Très bien. Et je vous laisse avancer. Deuxième porte sur votre gauche. C'est une chambre de 11 mètres carrés, la première de la maison. Très jolie chambre avec un beau parquet en pin. C'est très chaleureux. Attention, le pin est un bois très tendre, donc il marque. Talon aiguille. Ouh ! Moi, j'en mets plus.
une chambre avec rangement intégré. Ça, c'est bien. Je l'imagine plus comme une chambre d'enfant, là, par la configuration. Tous les critères sont respectés. Cédrine continue la visite par deux autres pièces de 10 mètres carrés chacune, pouvant servir de chambre, ce qui en fait trois pour le moment. On arrive dans la chambre parentale. Et non, une salle d'eau avec une double vasque et une douche à l'italienne. Salle d'eau, d'accord, oui. Voilà. C'est pas de baignoire dans celle-ci. Il y a une deuxième salle de bain. Une deuxième salle de bain. Sur le palier pour les enfants. Celle-ci n'est donc que pour les parents. Ici, toilette, je peux ouvrir? Vas-y. Vas-y, Aurélie. Du rangement. Bon, niveau devinette, c'est toujours pas ça, hein? Et là, d'ailleurs, ce petit rideau noir. Bah écoute. On ne va pas tenter de deviner. C'est la dernière chambre, la quatrième. Cette suite parentale avec salle d'eau privative fait donc 27 mètres carrés au sol. Allez-y, je vous en prie, hein, entrez. Bah, j'irai pas au bout, moi. Faut fléchir un petit peu les yeux. Mais moi non plus, d'ailleurs. Alors, ça, par contre, alors, une vraie question qui a son importance. Voler, roulant. Mais pas hyper bien comme ça, là. Attends, bien, on va se décaler. On a bien dit 27 mètres carrés au sol. Tout l'espace n'est donc pas utilisable. En revanche, ça reste sympa parce que ça donne une belle dimension à la pièce. Au niveau du lit, on est bien. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est que les côtés sont déjà prédéfinis. Après, changement de région, changement de ville et changement de côté. C'est le début d'une nouvelle vie pour vous. J'adore Cédrine. Elle se bat jusqu'au bout. Une vraie lionne. Ah ouais, hein? Complètement. Allez, super. Cédrine garde le dernier coup de griffe pour la fin, celle qui laissera son empreinte dans le cœur du couple. Une belle vue. Qu'est-ce que tu regardes? Vue plongeante. Je crois avoir une piscine. Eh ben, on y va. Un extérieur en trois espaces avec une terrasse en bois, un jardin et une piscine hors sol. Alors là, en exposition, on est sud-ouest. Sud-ouest. Donc là, vous avez vraiment le soleil toute l'après-midi, toute la journée. Honnêtement, côté façade, voilà. L'organisation, l'organisation des espaces est intéressant. Ah là, le jardin, il est magnifique. Ouh là là, ah ouais, canon. J'adore, hein. Ah ouais. Puis t'as vu avec la piscine au fond. Super piscine, hein, ça, ouais. C'est vrai que c'est sympa. Pas de vis-à-vis avec côté avec voisinage. Vous avez aucun vis-à-vis. Ouais. Aucun vis-à-vis avec le voisinage, aucun bruit, une belle exposition. Ouais. Piscine canon. On adore. Et le couple adorera encore plus si cette maison rénovée de 200 mètres carrés avec piscine entre dans leur budget de 560 000 euros. Je vous propose cette maison au prix de... 509 000 euros. D'accord. Voilà. On est 51 000 euros en dessous du budget. Ça, c'est parfait. La superficie est top. Le jardin, peut-être un peu petit. J'ai bien dit peut-être. C'est dans le budget. Ça, y a pas de problème. Oui, puis c'est tout à fait cohérent par rapport au prix du marché de Dompierre. Complètement. Voilà, vraiment bon point. Bravo. Vous réfléchissez? Très bien. Vous en parlez? Et on en discute, ouais. Et puis on se voit ce soir. Très bien. Très bien. À ce soir. À merci soir. Beaucoup, Sandra. Avant de se retrouver, il reste une visite et c'est Jessica qui ferme la marche. À 30 ans, Jessica est une conseillère en immobilier aguerrie. Bonjour Stéphanie. Moi j'ai commencé dès mes 18 ans où j'ai démarché mon premier employeur en proposant de faire la location et la gestion locative sur La Rochelle. Elle a été embauchée et depuis, Jessica est toujours aussi déterminée et passionnée. Et sa carrière a encore de beaux jours devant elle. Très bien. Rendez-vous demain à 14h. Après 10 ans, j'ai toujours la niaque. J'ai toujours le plaisir de faire visiter des biens aux clients. Et c'est vrai que j'espère encore faire jusqu'à mes 70 ans, hein, même mes 80 ans avec ma petite canne. Et le secret de la longévité, Jessica l'a déjà trouvé. Yalo,
Ma technique infaillible par rapport à une visite au niveau des clients, je calcule pas mon temps. C'est-à-dire que pour une visite, s'il faut rester 4 heures dans le bien, je reste 4 heures dans le bien. Voilà. Notre agent est à l'écoute, ça se voit. Et dans la région, ça se sait. Ça va bien ? Ah oui, bah, installé dans la changement région. Changement total. Quel bonheur. Le conseil, c'est ce qui est le plus important par rapport au client. Que ça soit du home staging, que ça soit pendant qu'au niveau des travaux, comme ça, il n'y a aucune surprise. Et je suis mes clients de A à Z. Avec Jessica, c'est le partenariat de confiance. Alors pendant 2 semaines, Jessica s'est démenée pour trouver un bien de rêve pour Aurélie et Arthur. Ah super. Pour Aurélie et Arthur, je crois que je vous ai trouvé un très 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 beau cadeau de mariage. Je pense avoir respecté le maximum des critères d'Aurélie et Arthur et puis je leur réserve des surprises. Pour cette dernière visite de la journée, Jessica emmène le couple à Périgny pour visiter une maison de 170 mètres carrés. Ce que je vous propose, c'est une maison ni vacances, ni principale. Ah ouais ? C'est parfait. Ouais, ça facilite le quotidien. Alors ces ex-parisiens vont-ils enfin trouver la maison de leur nouvelle vie ? Vraiment top. Ça a l'air d'être bien lumineux. Ouais. Bien ensoleillé. Super, hein ? Ouais, bien vu. Bonjour, bonjour. Bonjour. Jessica. Aurélie, enchantée. Enchantée. Bonjour. Arthur, enchanté. Enchantée. On va se rapprocher un petit peu de La Rochelle. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Vous connaissez un petit peu le secteur ici ? Oui, un petit peu, oui, on est à Périgny. Si mes souvenirs sont bons, tu travailles à Périgny ? Je travaille à Périgny, donc d'ici, on va dire 2 minutes en voiture, même pas. Voilà, tout à fait. Bien vu hein, pour le secteur. Oui, Périgny, Aurélie travaille sur Périgny, donc très bon point. Bravo. Hein. On est exactement à 12 minutes de l'école de Victoire. D'accord, très bien. Très bien. C'est parfait. Ouais, ça facilite le quotidien. Et la maison que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. D'accord. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Bah, ça fait maison typique, plutôt, on va dire, ouais, rétaise, du coin. Donc, non, sur la façade, bien. On appelle une maison rétaise une maison typique de l'île de Ré, en tout cas de Charente-Maritime. Aucun ravalement à prévoir, c'est une maison de 2005. D'accord. C'est... Oui, c'est récent. Bon, après, moi, c'est pas mon style, mais bon, c'est pas moi qui achète, hein. C'est ça. Ce qui compte, c'est que ça plaise aux clients. Ce sont eux qui achètent après tout. On a hâte de voir à l'intérieur maintenant. Ah, ça, ça fait plaisir. Voilà. Ah. Allez, c'est parti. Jessica, super bon contact. J'ai hâte de savoir où elle va, donc on attend de voir sa proposition. Je vous en prie. Alors moi, j'attaque de suite avec la piste de vie. C'est là qu'on passe la majorité du temps, dans une journée. Et le salon de cette maison mesure 46 mètres carrés, avec un plafond en bois et des poutres qui font tout le charme de la pièce. Bah, elle est lumineuse. Oui. La hauteur sous plafond, ça c'est très agréable. Super, hein ? Ouais, bien vu. Bah, ils sont sans voix. J'entends les mouches voler. 46 mètres carrés, ouais. C'est quand même une surface quand même assez importante pour une pièce de vie. Vous restez sans voix, là. On se projette, justement. C'est ça, tout à l'heure. Quand les clients ne disent rien, c'est pas toujours négatif. Ils peuvent aussi imaginer comment ils vont placer leur meuble, se projeter. Ça peut être aussi bon signe. Ben voilà, il ne fallait pas s'inquiéter. C'est grand, c'est lumineux. Ça demande un petit peu de travail pour remettre à notre goût. Mais ouais, rafraîchir un petit peu, voilà. C'est bien. Et donc là, on a une très belle cuisine. Une cuisine de 19 mètres carrés, tout équipée, séparée de la pièce de vie par une porte à vitraux. Vous
donc une fenêtre. Oui. D'accord. Et après, surtout, ouais, l'ouverture tout autour de la cuisine. Oui, tout à fait. De la cuisine, oui. J'adore. La cuisine. C'est lumineux, hein. Très sympa. Alors du coup, vous avez une cuisine aménagée, équipée, ouais. Donc four, plaque de cuisson, la hotte. Ouais. Donc là, c'est bon ? C'est bon. En termes de rangement, on est bien, ouais. Ok. En termes de rangement, d'accord, mais le reste ? Elle a une grande porte vitrée. Nous, on pourrait imaginer de l'ouvrir pour en faire une grande cuisine ouverte. Pas de problème. Pour moi, je leur conseillerais d'ouvrir un espace plus grand que la porte en question pour que la cuisine soit vraiment intégrée à cette pièce de vie. Ça serait plus beau. Maintenant que l'espace jour est validé, Jessica peut donc passer à l'espace nuit. Allez, permets d'ouvrir. D'accord, donc une première chambre. Elle fait 14 mètres carrés. Elle est carrelée et elle dispose d'un accès sur l'extérieur. Effectivement, donc, ouais. Qui donne côté jardin. D'accord. Donc elle est lumineuse. Ouais, super. Hein. Très lumineuse. Est-ce qu'au niveau déjà de la surface de la chambre, ça vous convient ? Ouais. Non, ça c'est très bien. C'est très bien comme taille de chambre. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une petite salle de bain derrière. Tu es sûre que c'est une salle de bain ? Ça en a tout l'air en tout cas. Effectivement, cette chambre dispose d'une salle de bain privative de 6 mètres carrés avec une douche et une baignoire. Elle est adorable cette salle d'eau. Je garde la baignoire à pattes d'ours et le lavabo ancien. J'adore ça. Petite baignoire, petite douche au choix, ouais. Comme ça. Hein. Également, j'appuie sur le fait quand même que vous ayez une fenêtre. Oui. Ouais, pour l'aération, vu que ça donne directement dans la chambre, c'est pas super. Voilà. Bravo. Bien joué. J'ai une autre pièce à vous montrer. Oui. C'est celle-ci. Je te laisse. J'y vais. C'est tout juste. Jessica leur propose donc une autre chambre de la même surface, soit 14 mètres carrés. Avec donc une petite salle d'eau, ouais. Qui peut être transformée en dressing. C'est un peu dommage de changer une douche en dressing quand même. Ça devient une douching. Mais déjà, au niveau de la chambre... Non, les espaces sont bien faits. Peinture, très bien. D'accord ? Ouais. On continue. Et pour la suite, c'est à l'étage que ça se passe. Une mezzanine de 20 mètres carrés mansardée. Et vu la hauteur sous plafond, cette salle risque de faire deux heureux, leurs enfants. Toute la surface ne peut pas être considérée comme une surface habitable parce que la hauteur est inférieure à 1,80 m par endroit. Attention, la loi Carrez s'applique seulement pour les biens en copropriété. Ça, c'est pour toi, regarde mon cœur, hauteur sous plafond. Même pas j'ai eu le temps de dire un mot qu'Aurélie déjà attaque Arthur sur la hauteur sous plafond. Je t'arrête tout de suite, Arthur. Bon, de suite, hein, je me rattrape. C'est pas une pièce pour toi. Non, tu n'as plus l'âge de jouer. C'est un endroit idéal pour César et Victoire. Bravo, Jessica. Ça, c'est une bonne idée, la salle de jeu pour les enfants. Mais je pense que je ne peux même pas rentrer non plus dans cette salle de jeu. Donc c'est l'avantage, seuls les enfants y ont accès. Voilà, tout ils sont sûrs d'être tranquilles. Et ce n'est pas la seule surprise que Jessica réserve à César et Victoire, les enfants du couple. Alors du coup, Aurélie, je te laisse ouvrir la porte de droite. Ok, elle a une grande chambre. De chaque côté de la mezzanine, deux chambres. Une première de 13 mètres carrés et une autre de 15 mètres carrés. Chambre, faire une chambre d'amis à repenser ou grande chambre d'enfant, je sais pas toi, grande chambre d'enfant. C'est vrai que moi j'avais pensé pour vous, mais c'est vrai, voilà, l'étage pour les enfants. Les enfants en haut, nous en bas, c'est avec. Je pense que c'est une bonne chose. Bon bah, on continue alors. Maintenant que Jessica a fait le bonheur autant des parents que des enfants, elle donne le coup de grâce en abattant son atout majeur. Une parcelle de 584 mètres carrés en trois espaces avec une terrasse carrelée,
un jardin arboré et fleuri et surtout une piscine de 9 mètres sur 4. Ça sent pas un peu l'air des vacances? C'est ça, les transats, les apéros, les amis. Oui, parce que le but, c'est changement de vie. C'est ça, vivre en vacances. Vivre en vacances. Et là, c'est ce que je vous propose. C'est une maison ni vacances, ni principale. Ils voulaient un super jardin, et ben je leur offre un super jardin. Une très belle piscine. Oui. La seule chose qui me fait peur, moi, avec la piscine, c'est qu'elle soit si proche, qu'elle soit à 4 mètres des portes et avec les enfants. J'avais deux enfants, niveau sécurité. Bon, actuellement, il y a déjà une alarme D'accord, au niveau de la piscine. Bon, après, si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez trouver un autre système. Pas de problème, ça fait même partie des systèmes de sécurité obligatoires. Il leur faut un volet roulant électrique. Certains peuvent supporter le poids d'un homme. Enfin, moi j'ai grossi. Hein. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai pris? Et parce qu'il y a un air de vacances dans ce jardin et qu'en plus il fait beau, le couple s'isole pour parler de cette visite dépaysante. La piscine, c'est vrai que c'est quand même un gros plus, quoi. Ouais, elle a l'air quand même. T'imagines bien, à partir du mois de mai-juin, au bord de la piscine, sur le transat. La piscine est vraiment top. Cette maison, elle a clairement ce petit goût de vacances qui nous plaît, avec la piscine, le barbecue ouvert. Cette vie de rêve entre-t-elle dans le budget du couple? Pour rappel, il dispose de 560 000 euros. C'est une maison. On est sur du 170 mètres carrés. D'accord. Au prix de... Pam, 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 pam. Vas-y. 560 000 euros. Le prix correspond pile à leur budget. Attention, ils cherchaient 200 mètres carrés. On leur propose 170 mètres carrés. Donc, il y a quand même une petite différence. Ah, quand même. Ah oui. Ah oui. Je vous laisse réfléchir. Oui. Et puis, je vous dis à ce soir pour le bilan. Merci beaucoup, Jessica. J'espère en tout cas que leur changement de vie, ça va être dans cette maison. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette troisième journée de compétition à La Rochelle. Alors tout d'abord, merci beaucoup à toutes les trois. Nous savons que vous avez beaucoup travaillé pour nous trouver vos trois biens qui nous ont tous bien plu. Donc un grand merci. Cette recherche était très importante pour nous pour pouvoir un peu se visualiser un peu plus et se projeter à La Rochelle. Aurélie et Arthur vont révéler quel bien ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux, si le couple a eu un coup de cœur et fait une offre d'achat qui est acceptée, l'agent marquera 3 points. Pour rappel, Astrid a commencé cette journée en emmenant le couple visiter une maison de bourg de 158 mètres carrés à Lagor. Lagor, j'adore. Le couple a été séduit par le charme de l'ancien, les cheminées décoratives et les pierres apparentes. Elle a tapé juste alors que c'était pas forcément dans les critères. Donc bravo. Et même le jardin leur a plu malgré l'absence de piscine. Il y a beaucoup de cachets, du charme, c'est lumineux, pas de vis-à-vis. Une maison à 569 000 euros. Cédrine a ensuite emmené Aurélie et Arthur à Dompierre-sur-Mer dans une maison de 200 mètres carrés au style loft, exactement dans leurs critères. Avec une belle hauteur de plafond. C'est quelque chose qui nous plaît. Et pour ces anciens parisiens qui veulent changer de vie, Cédrine a sorti le grand jeu avec son jardin avec piscine. Piscine canon, on adore. Un changement de vie à 509 000 euros. Enfin, c'est Jessica qui a fermé le bal des visites en les emmenant à Périgny. Je travaille à Périgny, donc d'ici, on va dire 2 minutes en voiture, même pas. Dans cette maison de 170 mètres carrés, les volumes ont laissé le couple sans voix. On se projette justement, c'est ça tout à... La projection a été d'autant plus facile qu'ils ont tout de suite pu évaluer le potentiel et les améliorations qu'ils peuvent y apporter. Nous, on pourrait imaginer de l'ouvrir pour en faire une grande cuisine ouverte. Une maison qui sent les vacances et qui coûte 560 000 euros. Pour moi, c'est la maison d'Astrid. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré d'Aurélie et Arthur. Le couple a-t-il eu un coup de cœur? Va-t-il faire une offre d'achat qui permettrait à Jessica, Cédrine ou Astrid de marquer 3 points? Le bien que nous avons retenu est celui... d'Astrid. Astrid marque un point avec sa maison de bourg dans le centre de Lagor. Nous avons choisi cette maison tout d'abord parce qu'elle avait beaucoup de cachets qu'on s'est tout de suite projeté à l'intérieur.
qu'elle correspondait en tout critère à ce qu'on attendait. Je pense qu'on va demander une contre-visite pour s'en assurer, mais là, ça commence à se concrétiser très sérieusement. Aurélie et Arthur vont-ils faire une offre d'achat qui permettrait à Astrid de marquer 3 points ? Après réflexion, le couple a finalement décidé de ne pas faire d'offre d'achat à cause du jardin trop petit. Astrid remporte donc 1 point et se place derrière Jessica qui a 2 points. Cédrine, quant à elle, en a 0. À demain !